Bonjour amis de la chaîne Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de la vidéo consacrée aux meubles pour la scie sous table et des fonceuses. Je vous propose de découvrir les différents accessoires installés sur ce meuble. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. Et comme toujours, un petit pouce vers le haut et un commentaire sera très apprécié de BBL. Bonne vidéo! Après avoir débité les pièces de bois aux bonnes dimensions, je vous présente celui qui se chargera de la montée et de la descente de la défonceuse, l'ascenseur. La défonceuse est en place, en position basse. Le montage, le collage de la cage est réalisé et l'ascenseur est mis en place. Il ne reste plus qu'à fixer au plateau et le tour est joué. À présent, nous passons à la pose d'un tiroir réalisé hors caméra avec des chutes d'agglomérés récupérées sur un chantier. La poignée est provisoire, une jolie poignée sera réalisée en bois très rapidement. Ce tiroir accueillera les accessoires de la scie sous table et un capot sera en place sur le dessus, vous le découvrirez en fin de vidéo. Alors sur le plateau de la scie sous table, il y a un espace de rangement, le guide de la scie, mais aussi deux traîneaux de coupe vont trouver leur place. Le traîneau droit et le traîneau pour les coupes d'angle. Vous allez donc découvrir aussi rapidement la commande, mais vous la verrez avec beaucoup plus de détails en fin de vidéo. Nous allons passer à l'arrière du meuble pour découvrir le système d'aspiration. Alors réalisé avec des coups de PVC et un tuyau d'un ancien aspirateur. Voilà, il a été fixé avec des rissants pour ne pas traîner à l'arrière de la machine. Et à son extrémité, eh bien, il y a un raccord qui permet de se brancher à l'aspirateur. Pour information, tout l'ensemble sera asservi. L'aspirateur démarrera quand les machines démarreront. Voilà, le fameux capot est réalisé avec un très joli bouton en bois. Il ne reste plus qu'à changer celui de devant. L'aspiration sur le plateau est en place ainsi que le dispositif de protection que BBL a remis. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, le petit pouce vers le haut, et si vous avez envie de faire un commentaire, n'hésitez pas, ça sera toujours apprécié par BBL. Et abonnez-vous! À très bientôt!